étaient 600 à postuler. Ces terrains si jolis. Et seulement 24 élus. On dirait des billards, je vous assure. Pour marcher dans l'empreinte des idoles. Tourné vers les bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts aux talents hors normes. Je vous assure, hein. Aujourd'hui, certains d'entre eux ont rejoint les plus grandes équipes d'Europe. Les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes parents dans des entraînements hyper intenses. Ils se perdent son temps, vont se faire avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance. C'est l'esprit qui nous a pas, c'est votre esprit qui nous a pas. Mais il y a 7 ans, c'était une autre histoire. Il y a 7 ans, le football pro n'était qu'un rêve. Je serre juste la main, ça suit. Ils osaient à peine y toucher, à la Clairefontaine. Dans une demi-heure sur ESPN Classique. À 22h30, on entre dans les coulisses de Clairefontaine. À 23h30, Mills Lane est un arbitre pas tout à fait comme les autres. Et à minuit et demi, le 15 de France défie l'Irlande lors des 5 Nations 77. Tout de suite, on retrouve le Lyonnais Hatem Ben Arfa, le goal de Montpellier Geoffrey Jourdran et tous les autres jeunes nés en 87 qui sont passés par le centre de formation de Clairefontaine. Des images exceptionnelles pour mieux comprendre comment fonctionne le réservoir du football français. Tourné vers les bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts aux talents hors normes, amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance. Comme leur dernière chance pour que leur talent perce en France. Et les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes battants dans des entraînements hyper intenses. Et nul ne perd son temps, on s'est fait avec passion, avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance, tu perds ta science du football, mec. Pense à l'équipe avant de foutre le sbeul, tu seras peut-être pro d'ici peu. Ou successeur Zidane si t'es pas trop dissipé. Quand même les prodiges payent leur manque de concentration. Et Clairefontaine n'est pas un parc d'attractions. C'est pour toi que tu joues, c'est les tiens que tu représentes. Ils ont 13 ans à peine, des rêves de foot plein la tête, et ce jour est un jour unique dans leur vie. Un mois plus tôt, ils étaient 600 candidats à passer les tests techniques et physiques de sélection, mais aujourd'hui ils ne sont plus que 24. 24 apprentis crampons à être sur le point d'intégrer l'internat de l'INF Clairefontaine, la grande école du football français. Ils sont là pour 3 ans. La plupart d'entre eux quittent pour la première fois le giron familial, alors en plus du ballon et des études, il faudra apprendre à vivre ensemble. Bon, sachez qu'il n'y a pas de pression. On promet rien, qu'ils peuvent être professionnels, mais qu'ils peuvent être étudiants ou qu'ils peuvent être travailleurs manuels, c'est pas un problème. Et on va essayer de les faire travailler le plus longtemps possible, en souhaitant que ce soit pour les 3 ans. Là, ils sont accueillis par Monsieur Dussault, l'incontournable gardien du Temple, directeur de l'Institut National du Football depuis 15 ans et responsable direct de leur promotion, la promotion 86. Alors on souhaite bien sûr qu'il y ait le plus grand nombre de footballeurs professionnels, mais ce sera sans pression. Alors ne cherchez pas à la mettre vous-même, ne cherchez pas qu'elle ne soit pas au niveau des clubs, parce que les dirigeants, les entraîneurs vont être exigeants. Dans la mesure où il y a un label INF, ben, on va demander à vos enfants d'être le meilleur de l'équipe. Clairefontaine, c'est le début d'une grande carrière en fait. Pour réussir au foot, ceux qui sont dans la région parisienne, mieux vaut passer par Clairefontaine. Il y a quand même Anelka, Henri, Saha, Touré qui sont sortis. Christian Val, des bons joueurs. Donc nous, on aimerait bien être comme ça, quoi. Allez, vous saviez, les gars. 1m60. Allez, vas-y, montez dessus. 36,4. Bon, 1m40. Allez, montez dessus. Allez, suivant, le suivant ici, là. 34,1. Pour moi, Clairefontaine, c'était mon rêve. Quand j'étais petit, je voulais venir jouer ici. Parce que l'équipe de France, ils venaient ici.
Et j'étais motivé pour venir ici pour faire les tests. 35 et 63,5. 37,7. Clairefontaine, pour moi, c'est un rêve. Depuis que je suis petit, je connais Clairefontaine grâce à l'équipe de France et tout ça. Et quand je suis rentré à Clairefontaine, j'étais très content. Monsieur, on a une salle pour deux. On a une salle pour deux. Oui. J'ai les mêmes que toi. Les mêmes quoi, chambre? Ouais. Ma chambre est en chambre. Eh, balcon, il est vite fait. Hein. Vas-y, fais. Lâche, regarde. Et c'est trop bien. Moi, j'ai une vieille chambre, moi. Je voulais même pas une chambre comme ça. Belle, ma chambre. Comment ça, là? Ce que j'ai envie de faire plus tard, j'ai envie d'être footballeur professionnel. Mais pour ça, on est en train de monter la première marche de la Tour Eiffel. Et si on veut y aller au bout, il faut travailler, il faut écouter, il faut se donner à fond. Yeah, 26 ans. Là, tu me comprends pas. 18, 19. Les gars, est-ce que vous voulez un lit plat? Ouais. Ouais, on échange. Non, échange. Jure. Vas-y, les plats. Venez, on échange. C'est mieux le lit plat. Vas-y. C'est où? C'est où? Là-bas. Ouais, vas-y. Dans le couloir à d'accord. Vas-y, on échange tout. Ouais, mais... Jure. Ouais, sur la vue. Attends, tu peux me montrer. Venez. Si tu veux pas, juste pas passe. Attends, venez. Faut dire à monsieur Dussault. Faut dire à monsieur Dussault? Ouais. Vas-y, viens. Abib. Qui a-t-il la Bible? Monsieur, on échange de chambre, parce que Eiffel est plein, on veut les superposer. Qu'est-ce qu'on peut? Tu veux aller superposer, toi, non? Ah, moi, je veux aller superposer. Et nous, on veut aller. Ouais. Je préfère, c'est mieux. Attendez. Parce que... si tu prends 10 cm dans l'année, mon grand, tu vas pas pouvoir dormir correctement. Dans un... La Fontaine, pour moi, c'est une chance. Je pense que il n'y a pas beaucoup d'enfants qui peuvent avoir cette chance. Et si je l'ai, je dois la saisir. Et je dois bosser pour rester ici 3 ans. Quoi. Enfin, essayer de rester 3 ans. Ils sont 24, mais ils savent déjà qu'ils n'arriveront pas tous au bout de leurs 3 ans de préformation. Tout au long de l'année, ils vont être observés, évalués, réévalués. Leur aptitude au football, leurs résultats scolaires, mais également leur motivation et leur capacité à s'intégrer au collectif vont être en permanence passés au crible. À la fin du 3e trimestre, M. Dussault écrira une lettre à leurs parents pour leur dire s'ils feront encore partie ou non de la promotion. Aujourd'hui, ils vont à leur tout premier entraînement. C'est vrai que c'est pas bien de mettre tes crampons, les lacets comme ça. Parce qu'après, ça tient quand tu tires. Quand on vous donne une heure, c'est l'heure à laquelle on doit commencer l'entraînement. Hein? Et être prêt, c'est avoir le maillot dans le short, les chaussettes relevées, et non pas à mi-mollet, comme ça. Les languettes de chaussures, c'est pas fait pour faire de la publicité, c'est fait pour protéger le dessus du pied. Si tu prends un coup sur la cheville, t'es 8 jours arrêté. C'est de la pub un peu trop cher payée. Hein? Le premier problème, c'est de se protéger. Vas-y, celui qui la met au milieu là. Dans le trou là-haut. Non, au milieu là, en bas. Non,
Oh, c'est facile au milieu. Vas-y, mets-la. Oh, vas-y, mets-la, vas-y, dis. En haut. Vas-y. Non, 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 pas en haut, mets-la là. Vas-y, Gérard, arrête. Gérard, arrête le foot. Mince. Et bim, et bim, et bim, et bim, et bim. Raté. Je vais aller une dernière fois, comment ça? Oh, il s'est chaud. Vous bien écoutez. Allez, le ballon ne doit pas tomber. Ça, c'est bien pris l'appui. Ça commence par là. Monsieur Dussault, c'est à la fois le directeur, l'entraîneur, l'éducateur et le père de substitution. Voilà. Plus vous avancez, plus ça va être facile. À 60 ans passés, Monsieur Dussault s'apprête à raccrocher les crampons. La promotion 86, c'est sa dernière promotion. Montez le ballon et vous êtes vraiment face. On aura reconnu des qualités. Certains plus d'autres. Donc il y en a une dizaine sur qui on peut, sur qui on compte. Ça ne veut pas dire que leur évolution va faire qu'ils vont devenir professionnels, ils vont avoir un contrat au bout des 3 ans, ou surtout au bout des 2 ans de club professionnel. Mais une bonne promotion, on peut considérer que c'est un tiers de professionnels en première division et ce serait une excellente... promotion. Battement, 10, croisé, 10, tendu ensemble, 10, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. C'est l'espoir, c'est là, monsieur. En silence, c'est les joueurs. Monsieur, oh, ben monsieur comment passer. Ça se fait? Ils sont pas beaucoup. Vous pouvez passer, bah, parce qu'il y a des joueurs qui ont joué hier, et des joueurs qui sont à l'étranger qui ne sont pas arrivés. Sylvestre, vous les connaissez tous? Monsieur, moi j'ai ramené un appareil photo, je vais faire des photos avec eux. Madame, vas-y, viens, on va voir Dalma, viens, on va voir. L'équipe espoir, c'est le top du top. L'élite, la dernière ligne droite avant l'équipe de France. Elle est composée de jeunes prodiges de moins de 21 ans qui sont les Zidane, les Henry et les Barthès de demain. Comme leurs aînés, ils viennent régulièrement en stage à Clairefontaine. Là, ils s'entraînent pour la préparation du championnat d'Europe. Imaginez, on voit l'équipe de France là maintenant. Là. Ça fait quoi? Tu vois, ça fait quoi? Bah, moi je suis content. Tu vas mourir. Hein, tu vas aller voir Zidane. Zidane joue à ton poste et tout direct. Bah, ouais, c'est grave direct. Non, j'avoue, moi. Non, j'irai voir qui? J'irai voir Thuram et de ça. Moi, tu j'irai voir qui? Moi, je vais Laurent Robert. Moi, je vais voir. Ouais, mais il va pas sélectionner. N'importe quoi. Et la frère de carton, tu vas être sélectionné, t'es trop bête. Franchement, si je peux pas voir Zidane ce soir, je crois que je vais pleurer. Obligé de te voir Djorkaeff. Djorkaeff? Non, ouais, si, bah si, Djorkaeff. J'ai oublié de ramener putain, l'appareil photo. Eh, les espoirs, ils sont dans quel bâtiment? Obligé, ils sont dans ce qu'on doit aller, obligé. Mon idole, pour moi, c'est Maradona. Car depuis que je suis tout petit, je regarde des cassettes de lui. Et c'est mon préféré, et c'est celui que je préfère au foot. C'est lui, mon idole. Pour moi, c'est le plus fort de tous les temps. Je vais essayer de faire de moi une idole, c'est pour ça que je suis à Clairefontaine. Je vais tout faire pour être une idole. Mais, entre parenthèses, mon idole, ça serait Zidane. Parce que Zidane, c'est un milieu, il est fort. Il faut dire la vérité, il est fort. Il est très fort. Et il joue le même poste que moi, c'est pour ça que je l'aime bien. Zizou. Z-I-Z-O-U. Zizou. Il fait tout ce qu'il veut avec la balle. Je sais pas comment dire. Il fait tout ce qu'il veut. Il peut te mettre un petit point, il peut drouber tout le monde. Et après, il peut déclencher une grosse frappe. Ça fait but, ça fait goal. Allez, fais naturellement, Geoffrey, fais naturellement. Réfléchis pas, ça sert à rien de trop réfléchir. Moulinez bien les bras. Voilà, sans trop exagérer, on n'exagère pas trop. À Clairefontaine, il y a un entraînement spécifique des gardiens. Il a lieu 2 fois par semaine. Allez. Ce dernier est pris en charge par Franck Ravio. Ils sont 3 dans la promotion à avoir choisi le poste de goal. Adrien, Quentin et Geoffrey. Pas de ballon facile. Comme eux, Franck Ravio a été autrefois l'élève de M. Dussault à l'INF. C'est touché, c'est bien, mais après on n'est pas spectateur, on reste acteur, parce que le ballon est en jeu. Allez. S'il te plaît, Quentin, je voudrais que tu ailles un petit peu plus au devant du ballon.
pas le ballon qui te fait peur, j'espère quand même. Tu le contactes avec le sol, et là, beaucoup plus vite. D'accord ? De vous, c'est gentil, c'est tranquillement. D'accord ? La volte-face, le demi-tour, beaucoup plus rapide. Parce que moi, autrement, je frappe plus vite. Je frappe plus vite et je frappe plus tôt. Bouge pas. Les bonnes choses ont fait arrêt sur image. Il ne peut rien arriver là. Là, il ne peut rien arriver. D'accord ? Donc faire l'effort, je vous demande pas d'être à l'excès. Je vous demande pas d'être comme ça. Alors, on va pas exagérer. Mais d'avoir ce corps qui protège. Donc toi, Quentin, tu le fais bien d'un côté, plus de difficultés à le faire de l'autre. Alors, le ballon, les mains, le corps. D'accord ? Ballon, main et corps. Je prends un train, tu vois. J'avais mis trop de scotch, il fallait demander des punaises. C'est magnifique, il a montré dedans. Il est grand fort, il est trop bien. On va aller voir l'équipe de France. Là, ils partent à la recherche de Zidane. Parce que depuis le 12 juillet 98, la vraie magie de Clairefontaine, c'est l'équipe de France. Ici, chaque bosquet, chaque touffe d'herbe est si fortement imprégné de la présence de l'homme au pied d'or qu'il suffit de prononcer son nom pour le voir apparaître. C'est ici, entre les murs de ce château, que les champions du monde prennent leur quartier pour s'entraîner avant un match officiel. Oh non! Non mais tu t'arrêtes, s'il te plaît! Oh non! Arrête! Il était avec le monsieur! Non mais arrête-toi! Il y a personne! Ah! En plus c'est fermé! Les nerfs! Ah, mais les, c'est à cause de toi! Me dis surtout pas que c'est à cause de moi! Qui m'a emmené là? Ah, tu sais, il serait là, hein! Tu l'as vu? Bah oui, je l'ai vu! Il serrait la main? La chance! Non, j'ai pas essayé de rien parce qu'il était en train de parler avec le monsieur! Ouais, j'allais pas rentrer! Tu vas aller l'intercepter! Bah, il doit être dans le château, hein, avec les autres. On a le droit d'aller? Pour atteler Zidane, ils sont venus. Pour atteler Lama, ils sont venus. Hein. On a le droit d'aller au château? Moi, je vais voir. Moi, j'ai envie d'y aller, hein. Moi aussi, hein. Vous êtes dangereux, moi. Les gars, ils veulent s'infiltrer dans le château. C'est des marrants. Le trou. Ils veulent faire la mission impossible. Mais je pense pas, moi. C'est sûr qu'ils sont dans le château, moi. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont dedans, mais on peut pas rentrer. Ah, putain, là, c'est la haine. L'équipe de France, ils étaient pas là tout à l'heure. Mais c'était les espoirs. Et alors, c'est Dalma. Mais Dalma, c'est pas une star? Non, mais c'est l'espoir. Bah, ouais, bah, on va avoir les espoirs. Parce que... Ah, mais si on les arrive. C'est les espoirs, ça. C'est les femmes. Mais me dis même pas que c'est les femmes. Oh non. Ah, hey, moi, je rentre dans la chambre à luxe. C'est quoi? Je tape. J'en ai vu, bah, elle, il a un carré comme ça. Moi, je vous ai. Si vous êtes des poissons, on rentre. On a vu Zidane. Il a deux balles. Ouais. On a vu Zidane. Bien, on va aller sur la mini-plaine. Vous allez jouer contre l'équipe féminine des moins de 18 ans. Vous les machos qui vous êtes moqués d'elle là. Hein? Les gars, on va gagner, de toute façon on va gagner. C'est pas un problème. Ce n'est pas... Bon, elle prépare une compétition du championnat d'Europe. C'est une préparation pour elle. C'est, je pense, un petit plaisir pour vous. À bout, tu es trop loin. Il faut monter maintenant, Sébastien. Voilà, jouez de plus en plus long, allez-y. Comme ça, il y a hors-jeu, il y a la balle à l'adversaire. Les équipes nationales féminines viennent également effectuer des stages à Clairefontaine. Lors de la préparation d'une rencontre importante, les premières années sont réquisitionnées comme équipe adverse. Donnez, préparez. Pour M. Dussault, c'est aussi l'occasion de faire une première évaluation de ses poulains en match.
Ça, j'ai horreur de ça. À 13 ans, et on est là, et le ballon est là, on va pas, et on a besoin de quelques... De bon, bon, bon. Ça m'énerve. Greg, les fonds de la tête. Non. Elle arrive. Eh, monsieur Lucie, il a fait comme ça, monsieur Lucie. Il a regardé le ballon. Danger, ce ballon dans l'axe. On aurait un constat. Ah ouais. Wow, victoire. T'as gagné, mais t'as pas fait grand-chose pour gagner. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Ah, faut jouer, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut attaquer, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marquer. Qu'est-ce que vous avez marqué en deuxième période? Rien. Combien d'occasions avez-vous eu? Et mais j'étais long comme... Eh oui, alors quand vous faites les exercices de tir très décontractés en ne vous appliquant pas, ben, la résultante, elle est là, dans les matchs. Il va falloir autre chose. Et taper loin devant, ça n'a jamais permis systématiquement de gagner. Ouais. Allez. Ici, la chose que je préfère, c'est voir des terrains comme ça, là. On dirait des billards, je vous assure. Et le réfectoire. Quand on va manger, surtout manger, j'aime ça. Quand on va manger, on a le choix, je vous assure. C'est merveilleux. Et ces terrains si jolis, verts comme, comme un terrain de billard, je vous assure. C'est très... Je vous assure, hein. C'est terrible. Ce soir, Quentin est très fier d'être apprenti goal. Il vient de recevoir des équipements spécifiques liés à son futur poste. Coudière, genouillère, gants. La vraie panoplie du parfait gardien de but. Allez, bouffe votre maillot. Où le bouffle, s'il te plaît. Une petite séance d'essayage s'impose. Oh là là. Non, mais l'autre. Elle t'a habillé des pieds à la tête, mon frère. Comme ça. T'as habillé des pieds à la tête. Ouais. Eh, mais nous, en plus, les gardiens, t'as vu, on a 30 fois plus de trucs que les joueurs. Eh, hey, Quentin, hey, tu les gardes hein, quand ils seront trop petits. Donc. Déjà, elle passe dans 3 ans, je les mettrai. Même pas. Dans 6 ans, quand tu seras vétéran, je devais la faire. Quand je serai en vétéran, je les mettrai. Moi, je devais la faire. Non, pas tout le monde. Tu auras au moins. Eh, Wasberg. Eh, femme ta chambre à clé, hein. Femme ta chambre à clé, hein. Bah oui. Moi, je te vole, hein. Toujours, moi, je te vole. Des chaussures sacrées. Faut bien les mettre. Comme ça, personne n'y touche. Jusqu'à demain. Allô maman? Ça va? Non, c'est bon. Je t'ai réveillé? Oui. Bah, je suis avec Quentin. Il a eu les prédateurs. Les chaussures à Zidane. Oui. Non, bah oui, là, je vais aller coucher, c'est pour ça. Oui. Moi, je vais te laisser dormir. D'accord? Allez. Ouais, ouais. Allez. Bisous. Ouais, bisous. Ouais. Intégrer l'INF Clairefontaine, c'est pénétrer le Saint des Saints, côtoyer ses idoles au quotidien. Pouvoir, à tout moment, croiser son dieu vivant au détour d'un terrain. Oh, ça va être quoi sauter? Ah non, ça c'est de ça. C'est de ça. Ah, c'est de ça. Ça y est. Et Charbonnier. C'est un daron. Charbonnier, quoi, Charbonnier, c'est un coach. T'as vu les cuisses de chien? La première fois que j'ai vu ça, c'est un... On dirait un cheval. C'est un monstre. Oh là là. C'est un monstre. Il a des gusses comme ça. Il a des gusses comme ça. Eh mais t'as peur. C'est un monstre. Salut. Allez. C'est un monstre. C'est Marseille. Oh là 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 là. Il est costaud. Eh, t'as vu comment il est costaud? Je suis sûr que je le connais bien. Moi je le connais très bien. Et y a pas du stylo vite fait.
Mais toi, tu prends un stylo, c'est pour prendre un marqueur. Mais c'est pas de marqueur. C'est un marqueur. T'as un marqueur? Champion. Bonjour. Les grands champions. Ça va? Ça va? Ok, salut. Je suis le neveu à monsieur Dussault. Ah, je suis le neveu à monsieur le maire. Nous, les terres, elles sont là-bas. T'as des sous, tu passes. Non, j'ai pas de sous. Mais je suis le neveu à... Comme l'oncle, là, il rentre, là. Olivier, à droite. Lui, là. Faites les sages, ça se trouve, on va descendre. Il est balèze, hein. À un moment, il a même plus respiré. Mais il est trop gentil, il est venu direct. Il est pas comme ça. Ouais, mais franchement, il est trop gentil. Il est direct, il est venu. Putain, on les voit même pas. Monsieur, est-ce qu'on peut descendre? Eh, j'espère qu'il va pas nous engueuler. Ça va, c'est bon, là, restez là, où allez-vous? C'est pour voir de plus près. Là, vous asseyez là et vous allez tout voir. Il a fait exprès, il a fait exprès. Regarde les tresses à 42. Regarde, regarde les tresses. Regarde mon maillot. Fallait que je ramène mon appareil photo, j'ai les nerfs. À bout. Tu l'as eu tout ça y oh, les pattes. Ouh, vous foutez la rage. Eh les gars, quand il est en face, il a des grosses cuisses. Ouais. Sérieux, il a des cuisses comme ça. T'as vu, on a vu, il court comme ça. Il faut à tout prix qu'il gagne contre l'Islande. S'ils veulent jouer l'Euro 2000. C'est obligé de gagner. Parce qu'après, il faut voir la suite des matchs aussi. Hein. Encore 2 minutes, les gars, expansion, j'ai pas vu. Allez, Eric. Jeu de tête, extension, appel, pied droit, pied gauche. Tu oublies tous tes bouquins, tu viens faire quoi là? Après, ça ne va pas à l'école. Quand on est bon à l'école et on est bon au foot, on peut réussir. Il faut être sérieux. Quand on rentre à la maison? Il y a des recruteurs, ils veulent que pour leur intérêt que je vienne pour que plus tard je joue avec eux. Et moi j'ai pas envie qu'ils me prennent comme un bijou. Ouais ah, comment le cas signé déjà? Hein? Oui. Précieux, ça lâche. Allô, maman? Soyez, moi j'ai eu les costales là, je les ai cachés dans le coffre. Hein.